Mais les tourtes, c'est pas des tartes. Les tourtes, c'est pas des tartes. Tourtes. Tourtes, pas des tartes. Tourtes. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la bière de ce 15 décembre 2016. Alors aujourd'hui, voilà une petite queue de charrue. Voilà, queue de charrue, c'est une bière ambrée que je ne connais pas du tout. Voilà, je n'ai jamais goûté cette bière. Alors voilà, comme je pourrais vous dire, en fait, c'est de l'ambrée, donc c'est pas ce que je kiffe le plus. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire hier, j'y ai pensé pendant le montage de la vidéo, par rapport à la Pechmel Bush. En fait, la Pechmel Bush, c'est de la Bush ambrée avec de la pêche, et celle-là je kiffe, alors que de la ambrée classique, ben, je kiffe pas trop. Donc certaines ambrées pourraient passer. Donc queue de charrue, 5,5% d'alcool, donc c'est pas énorme. Alors, queue de charrue ambrée est une bière de haute fermentation brassée à l'eau de source pure et à base de variétés de houblon et de malt rigoureusement sélectionnées. Cette bière ambrée au goût doux et généreux se boit de préférence fraîche. Voilà, contient du malt d'orge. Alors voilà, bien sûr, elle est bien fraîche, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément l'effet de suspense, puisque le matin, je sais, quand je prends la bière pour la mettre au frais, ben, je sais ce que c'est. Alors voilà, une petite bière ambrée. Voilà, ça sent la bière ambrée. Ça sent pareil, en fait, c'est vrai. C'est un peu comme toi, tu dis, ainsi, c'est vrai que toutes les bières, ça sent un peu pareil. Enfin, du moins, quand on la sent comme ça. Après, les petits arômes qui vont nous faire du bien dans le fond du palais, c'est tout autre chose. Alors par contre, voilà, c'est une bière qui mousse à mort. Beaucoup, beaucoup de bulles. Hein. Là, ça mousse. C'est comme dans un champagne, là, ou un cidre. Il y a des millions, des millions, des millions, des milliards de petites mousses, de petites bulles, voilà. Donc, on va se goûter ça. Ben écoutez, c'est un poil de mon chat sur le bord du verre. C'est une petite ambrée qui passe bien au final. À l'occasion, je devrais regoûter une bûche ambrée. Ah non, là franchement les gars, ça passe très bien. Bon, après la petite danse de la tourte me donne soif. Je ne vous le cache pas, parce que voilà, l'intro, je l'ai fait la 30 secondes, enfin la 2 minutes quoi. Vraiment, vraiment avant de m'asseoir ici et de boire la bière. Voilà, j'ai posé le panneau là derrière pour pas aller le remettre derrière ma télé. Et voilà. Eh bien écoutez, très très mousseuse, hein, très très mousseuse. Ça fait de la crème. En fait, c'est la bière ambrée qui fait de la crème. Comme la Pechmel Bush, on prendrait ça, on mettrait un peu de pêche dedans et ça nous ferait une petite Pechmel queue de charrue. Voilà. Donc bah, écoutez, voilà, c'est encore une World Beer Award 2015 cette fois-ci, puisque je sais plus c'était quelle bière on avait eu. Une 2014. C'était celle avant la. C'était la Malheur 10 avant la Pechmel Bush. C'était aussi une World Beer Award de 2014, et ici ben, c'est une Beer Award 2015. Eh ben franchement voilà, pour une bière ambrée, elle passe bien. Donc la couleur en fait c'est un orange foncé, on va dire, c'est orange foncé, et elle passe très bien. Donc les amis, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, si vous avez vu la vidéo à sa sortie bien sûr, pour un petit live Twitch. Et il y a de la bière au frais hors calendrier bien sûr, et on se retrouve pour la soirée Twitch. Voilà, vous en saurez plus sur la petite vidéo annonce Twitch qui sortira
Un petit peu après celle-ci, en fait. Hein. Je vais la faire et la publier. Donc, les amis, santé à tous. Et voilà, dans le pire des cas, je vous dis quand même à demain pour la prochaine bière. Donc, ciao, ciao, les amis. Et encore une fois, santé à tous. Très mousseuse, mais je la kiffe. Franchement, elle passe nickel de chez nickel. Donc, les amis, allez, à tout à l'heure ou à demain pour la prochaine bière. Ciao, ciao!